Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va regarder ce qui se passe pour ce mois de mai qui arrive rapidement. Je vais faire les tirages du printemps après ces tirages du mois de mai. Donc, ils ont un peu de temps à attendre que je finisse ces tirages. Donc, on va voir pour le signe du jour, quel sera-t-il? On va regarder pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Et n'hésitez pas de regarder votre tirage aussi de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Le signe ascendant prend son le dessus à partir de 40 ans. Je vous mets ici, si on arrive à le voir. Pour ce tirage, donc on va regarder pour ce mois de mai la carte principale. L'énergie principale avec ce tarot, le tarot lunaire, donc parce que j'ai commencé les tirages à partir de la nouvelle lune. N'hésitez pas à aller regarder votre tirage justement de la nouvelle lune sur YouTube parce que ça nous parle sur les énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc il y a la minuterie, n'hésitez pas à aller voir ce que l'on vous dit. Et puis bienvenue sur Guidance Starseed, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À vous abonner, à liker, partager, commenter. J'aime bien les commentaires de retour. Bah, surtout aussi, dites-moi si vous appréciez ce tirage. Donc, on va faire un tirage, je vous ai dit, avec la carte principale du tarot. Ensuite, on va faire un tirage en croix celtique avec l'oracle des miroirs. Et puis, avec le petit Lenormand, on va faire un tirage par domaine, donc travail, argent et amour. Et vous me dites si ça vous plaît. N'hésitez pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup du tout même. Je ne sais pas pourquoi à nouveau. Donc, voilà, voilou. Alors, on y va pour vous, les Sagittaires. On va regarder tout ça. Donc, je vous avais dit, bienvenue sur Starseed Guidance. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur Internet ce que c'est un Starseed. Donc, je suis une. Comme ça, vous savez un peu plus sur moi. On va mettre tout ça plus de ce côté. Voilà. Et pour une guidance privée, vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 2-3 jours. Donc, n'hésitez pas à écrire sur ce mail. Vous avez votre guidance à la maison en 2-3 jours. On y va pour les Sagittaires. Sagittaire, quelle est l'énergie? L'énergie principale pour ce mois de mai 2023. L'énergie principale pour le mois de mai 2023. Il y a encore les tirages de la semaine que vous pouvez regarder, hein, même si on est vendredi, ça va jusqu'à dimanche. Tirage de la semaine du 17 au 23. Alors, énergie principale pour les Sagittaires pour le mois de mai. Sagittaire, mai 2023. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? Le diable. Le diable. Peut vous voir passionné, passionnel. Ça peut parler, oui, de tout ce qui est passion amoureuse, passion professionnelle. Ça peut parler aussi de se donner corps et âme, avec force et courage pour quelque chose. Ou le côté, on va dire, je dirais plus réaliste du diable, ici on le voit dans la dépendance. On voit la dépendance à un produit, dépendance à l'alcool. Donc on peut être dépendant. Donc l'énergie principale aussi ici nous parle de dépendance à un produit, où il faut faire attention. Le diable aussi peut aussi nous parler d'énergie où vous maintenez quelqu'un sous votre coupe. Il y a un attachement, une manipulation, vous, par rapport à quelqu'un. Là, on voit le garçon qui manipule, qui tient cette femme en dépendance, avec une chaîne. Ça peut parler justement de produits ou au niveau relationnel, où on peut être dépendant au jeu, dépendant à différentes choses. À voir pourquoi on a cette énergie du diable ici avec nous. On va regarder la croix celtique tout de suite. Donc, les Sagittaires pour le mois de mai 2023, Sagittaire. Sagittaire, c'est mon Sagittaire, mon Sagittaire pour le mois de mai 2023.
Le diable ici, oui, ça peut être une énergie. Soit on vous manipule, ou soit vous manipulez, soit vous êtes dépendant d'un produit qui peut causer un problème, soit vous êtes dépendant de quelqu'un, vous avez de la peine à quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Sagittaire, mois de mai 2023, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai 2023? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire, alors. La joie est sortie souvent, pourtant, il y a une victoire sur une situation qui va vous mettre en joie. Donc, la carte de l'homme nous dit que vous allez passer à l'action, vous allez agir, vous allez... Je l'avais conseillé, hein, je crois, au Sagittaire. Ici, on voit que pour certains, donc peut-être dans le domaine de l'amour, vous allez mettre du vôtre, peut-être pour quitter une relation de dépendance, ou une relation de manipulation pour aller vers une relation de joie, d'amour, vraiment qui pourrait mener à même un mariage ou un pacte avec le miroir magique qui vous protège ici. Tout cas, vous allez faire quelque chose, agir. Il y a une énergie d'action ici. Vous allez bouger, hein, là, cette fois. On va voir pour quel domaine. On va déjà regarder ce que nous dit ici le tarot celtique. Donc, les Sagittaires pour le mois de mai. Ça prend de la place. Alors, et la carte du bas, Sagittaire, mai. Hop là, on y va. Dos de deck. Donc, on a l'homme qui veut gagner, hein, qui est avec son cheval, qui est prêt à partir au combat quelque part, qui veut arriver à un but. C'est un peu comme l'empereur, je le sens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une femme. Donc, ça peut. Ah ouais, j'allais dire, ça va parler de famille. Est-ce que certains Sagittaires ici vont vivre une nouvelle passion, voudront construire une famille. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. L'homme, la femme, vous voyez, ils se regardent ici. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre au mois de mai, en tout cas avec cet oracle. Probablement pour certains qui auront envie de reconstruire une famille ou construire une famille ou reconstruire justement. On va voir les cartes. Alors, il y aurait eu de la jalousie précédemment dans une relation sentimentale. Ça a l'air de parler comme de sentiments ici. Il y aurait eu de la jalousie, il y a eu de la triangulaire, il y a de la rivalité. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes un peu autour de vous. Plusieurs femmes, plusieurs hommes. Voir si ça vous parle. Et moi, je vois ici une rencontre pour les Sagittaires. Alors, si ce n'est pas une femme, c'est un homme. On doit retrouver un équilibre au niveau sentimental. Il y a eu des histoires amoureuses. Vous avez vécu quelque chose au niveau amoureux. Et vous devez régler cette situation. Donc, c'est des situations qui parlent à certains, hein, pas à tout le monde. Après, on va regarder les domaines. Mais là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une histoire de manipulation, de jalousie ici aussi. Quelque chose au niveau amoureux. J'ai l'impression que vous avez dû, vous devez, vous allez devoir quitter une femme ou une personne ou un homme qui est très dans la jalousie. Il y a à nouveau le serpent, la dépendance, le blocage. Qui vous empêche de vivre vraiment ce que vous vouliez, qui vous a fait des histoires, qui vous a menti, manipulé, un peu comme le diable. Et on doit retrouver un équilibre ici, avec une nouvelle personne qui arrive visiblement dans votre vie ce mois, pour construire une famille. Alors, fatalité nous dit que cette rupture, visiblement, il y aura certainement une rupture, parce qu'il y a trop de manipulation, de jalousie, mais elle n'est pas marquée ici, à moins qu'elle soit ici. Qui fait que ça doit se faire pour que on puisse reconstruire quelque chose de nouveau ici. Ça devait arriver, voilà.
Vous deviez passer par là aussi pour comprendre peut-être que maintenant il faut retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, peut-être arrêter d'aller avec des personnes pour une raison quelconque. C'est possible que ce soit quelqu'un d'étranger qui vienne, un homme, vous tendre les bras, vous proposer son amour, vous faire une déclaration. Mais il y a déjà d'abord une situation où on quitte une situation toxique Sagittaire. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est fatal, ça devait se faire, mais je pense que c'est pour votre apprentissage ici. Oui, un apprentissage au niveau de l'amour. Sortir des histoires de jalousie, de tromperie, etc. De diable. Je le sens pas mal dans ces énergies-là. On va regarder maintenant pour le travail, l'argent et l'amour. On va voir ce que l'on a pour vous. Sagittaire pour le travail. Sagittaire travail. En mai 2023. Sagittaire travail pour le mois de mai 2023. Sagittaire travail. Mai 2023. Sagittaire ascendant. Sagittaire pour le travail. Mai 2023 pour le travail, activité, job. Travail, activité, job. Sagittaire. Mai 2023. Alors, trois cartes. On va regarder pour les finances. Sagittaire pour l'argent, finance. Mai 2023. Sagittaire au niveau de l'argent, finance. Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'argent? Les finances, Sagittaire pour le mois de mai 2023 au niveau argent, finance. On prend trois cartes aussi. Alors. En tout cas, vous avez envie de changer la donne, de changer ses énergies, hein. Vraiment, c'est ce dos de deck. Et puis, on va regarder ici pour l'amour. Donc pour le moment, on a vu que ça concernait pas mal l'amour pour beaucoup d'entre vous. En majorité, c'est ce qui est ressorti. Sagittaire, amour pour le mois de mai 2023. Sagittaire, amour pour le mois de mai 2023. Ici, le dos de deck nous parle de contrat. Il y aura peut-être un contrat. On va voir. Ça peut paraître toute autre chose de ce qu'on a vu, hein, de la croix celtique. On parle de contrat ici. Très intéressant. Bon, est-ce qu'il y aurait un contrat de travail qui arrive pour vous? Est-ce qu'il y aurait un contrat de bail? Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça qui vous sera donné? Un nouveau job, un nouveau travail? On va voir. On parle qu'on retrouve la santé au niveau professionnel, qui est à la fin d'une situation qui a été douloureuse. Oui. Alors, vous étiez probablement, on n'a pas la carte de la fin, mais vous étiez probablement, ce que je vois ici, dans un travail ou dans une activité qui ne vous plaît pas du tout, qui vous a peut-être même blessé, qui ne vous a pas mis en confiance, et que ça, cette situation professionnelle se termine. En ce mois de mai, vous allez retrouver une santé, j'allais dire financière, mais une santé professionnelle. L'arbre, c'est aussi l'évolution, c'est la santé, c'est la vigueur. On retrouve une vigueur pro parce que moi, je pense qu'il y a un contrat qui arrive, un nouveau contrat de travail qui arrive. Vous allez aller vers autre chose qui vous plaît beaucoup plus. Il y aura un changement professionnel pour certains d'entre vous. Les Sagittaires, n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire. J'ai pas eu de commentaires, pas beaucoup en tout cas. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Oui, donc on retrouve, il y a une évolution, il y a une nouvelle santé ici au niveau professionnel parce qu'on voit que quelque chose qui était assez douloureux, que vous n'aimiez pas visiblement, se termine. Il y a vraiment la fin. Au niveau des finances, alors, on a les oiseaux, les chouettes. Les choses, qu'il y a des choses cachées là.
Ouais, on se cherche. Parce que les oiseaux de nuit, c'est des gens qui peuvent parler dans votre dos ou des discussions, on va dire, qui ne sont pas mises au grand jour, qui sont cachées. Les chouettes, c'est ça, hein, c'est aussi les médisances. La lune encore à côté qui nous dit choses pas claires. Et puis on se cherche. Donc là, au niveau financier, vous n'êtes pas du tout clair, les Sagittaires. Vous savez pas comment. Vous ne savez pas comment, comment activer vos finances. En tout cas, au niveau pro. Au niveau pro, c'est bon, il y a un contrat. Au niveau de l'argent, il y a des discussions cachées, pas claires. On vous cache des choses, moi j'ai l'impression, hein, pour l'argent. Et vous, vous cherchez, vous ne savez pas comment trouver une solution pour une somme d'argent qu'on vous doit, pour un héritage, pour un travail, pour ce nouveau job, pour l'ancien job, à vous de voir, hein. Votre situation, en tout cas, il y a quelque chose de flou au niveau pro. Pour l'amour, alors on a le puits, on a l'amant et on a comment on dit, la loupe. Je vais juste voir ce qu'il y a eu. Oui, il y a quelque chose au niveau ici sentimental qui se termine. Il y a eu de la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous manipule en amour. Faites attention. Là, ce qu'on dit, c'est effectivement au niveau sentimental, plonge au fond de toi, observe, donc vraiment une introspection, cherche qu'est-ce qui se passe. Il n'y aura pas vraiment de relation amoureuse ce mois-ci. Il y aura plutôt une relation avec peut-être, comment on dit, un ami, un flirt, une relation légère. Voilà. Et puis le diable nous parle de. Il y a quelque chose qui ne se passe pas juste. Où il y a de la manipulation autour de vous. On vous manipule, on vous ment. Ou vous avez des dépendances. Une dépendance à quelque chose qui crée problème dans votre vie et qui vous bloque. Qui vous bloque dans le travail, que vous n'arrivez pas à trouver comment solutionner vos finances. Ou ça peut être une énergie extérieure. Là, sentimentalement, vous devez puiser au fond de vous, chercher. Vraiment de manière précise, qu'est-ce qui se passe en amour? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais vous allez y mettre du vôtre, hein, pour essayer de solutionner. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, mettez de l'énergie dans cette situation. Alors, on va regarder un conseil pour vous. Mettez de l'énergie, mettez de la force, hein. On voit que vous avez envie, avec cette carte de l'homme qui est en dos de deck, de vous sortir de ces problématiques, de ces blocages. Mais il y a un nouveau contrat. On va vous proposer quelque chose. Nouvelle vigueur pro, sentimentale. Il y a vraiment besoin de puiser au fond de vous, de chercher qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi je répète ces jalousies, ou est-ce que c'est en rapport avec mes dépendances, qu'est-ce qui fait que ça crée des problèmes. Sagittaire, quel est le conseil pour vous pour ce mois de mai 2023? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, un conseil pour le mois de mai. Conseil, un message. Bon. Regarde pour des. Il y aura des signes, il y aura des synchronicités, il y aura des opportunités. Tout à coup, vous allez avoir un signe. Vous allez voir un film, je ne sais pas, où on parle justement de couple, où vous avez une dépendance et puis la personne se sépare de vous parce que. Vous buvez de l'alcool, un exemple. Il y aura des signes qui vont vous être donnés sur votre chemin pour vous aider. Observez les signes, soyez attentifs de ce qui se passe autour de vous. Et qu'est-ce qu'il y a à travailler? Il y a quelque chose à travailler, hein, ici, les Sagittaires. Un conseil ici pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Sagittaire, mai 2023. Sagittaire, mai 2023. Alors, vous avez Kutumi, il nous dit, il faut que vous restiez concentré. Reste concentré sur ce que tu dois faire. Essaye de ne pas partir dans tous les sens, dans toutes les directions, vous énerver, vous exciter. Non, restez concentré et cherchez ce qu'il y a
Vraiment, il y a quelque chose à guérir, quelque chose à revoir. Voilà ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Merci bien pour vos commentaires de retour. Et je vous retrouve pour les tirages sentimentaux qui seront beaucoup plus développés. On comprendra bien ce qui se passe. À bientôt, les Sagittaires. Merci pour vos commentaires. Au revoir. Miaou.